Nous avons vu précédemment que la gamme majeure avec ses 7 degrés servait d'échelle de référence pour les intervalles, ainsi que pour les accords. Nous avons vu que l'accord parfait majeur dans son état fondamental était constitué des degrés 1, 3 et 5. Dans le cas de l'accord parfait mineur, la tierce est minorisée, ce qui va totalement modifier son ressenti émotionnel et en faire sa singularité. Nous le verrons plus tard, mais l'accord parfait mineur est lui aussi un des trois piliers principaux de l'harmonie tonale, avec l'accord parfait majeur et l'accord de septième de dominante. L'accord parfait mineur, dans son état fondamental, peut être vu comme l'association de trois degrés distincts. Le degré 1, appelé note fondamentale, c'est elle qui va donner le nom à l'accord. Le degré 3 bémol et le degré 5. On peut voir aussi cet accord comme la fusion de trois intervalles. L'intervalle de quinte formé avec les degrés 1 et 5. L'intervalle de tierce mineure formé avec les degrés 1 et 3 bémol. Et l'intervalle de tierce majeure formé avec les degrés 3 bémol et 5. Nous allons apprendre à intégrer les notes de chaque accord parfait mineur en partant de chacune des 12 notes possibles. Dans la pratique de la musique, il est crucial de bien connaître chaque accord parfait mineur avec une totale aisance, et cela dans chaque tonalité. Nous allons volontairement prendre le temps nécessaire d'observer un par un chaque accord parfait mineur dans son état fondamental afin de bien les ancrer et les mémoriser une fois pour toutes. Commençons par le premier. L'accord parfait mineur de Do. Constitué des notes Do, Mi bémol, Sol. Si nous décalons à présent toute la structure de l'accord parfait mineur en la haussant d'un demi-ton, nous obtenons alors l'accord parfait mineur de Do dièse, constitué des notes Do dièse, Mi, Sol dièse. Puis l'accord parfait mineur de Ré, constitué des notes Ré, Fa, La. L'accord mineur de Mi bémol, constitué des notes Mi bémol, Sol bémol, Si bémol. L'accord parfait mineur de Mi, constitué des notes Mi, Sol, Si. L'accord parfait mineur de Fa, constitué des notes Fa, La bémol, Do. L'accord parfait mineur de Fa dièse, constitué des notes Fa dièse, La, Do dièse. L'accord parfait mineur de Sol, constitué des notes Sol, Si bémol, Ré. L'accord parfait de La bémol mineur, constitué des notes La bémol, Do bémol, Mi bémol. Sachez que certains accords peuvent avoir parfois une double notation. C'est le cas de l'accord parfait mineur de La bémol qui peut s'écrire aussi en dièse en partant de Sol dièse. L'accord parfait mineur de La, constitué des notes La, Do, Mi. L'accord parfait mineur de Si bémol, constitué des notes Si bémol, Ré bémol, Fa. Et enfin l'accord parfait mineur de Si, qui est constitué des notes Si, Ré, Fa dièse. Nous allons à présent chercher à mémoriser sur le plan visuel chacun des accords parfaits mineurs en observant leur empreinte à partir des touches du clavier d'un piano. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Do et blanc, noir, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Do dièse est noir, blanc, noir. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Ré est blanc, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Mi bémol est noir, noir, noir. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Mi est blanc, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Fa est blanc, noir, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Fa dièse est noir, blanc, noir. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de Sol est blanc, noir, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de La bémol
est noir, blanc, noir. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de sol dièse est identique à celle de la bémol. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de la est blanc, blanc, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de si bémol est noir, noir, blanc. Et enfin, l'empreinte visuelle de l'accord parfait mineur de si est blanc, blanc, noir. Ce travail de mémorisation des 12 accords parfaits mineurs est primordial. C'est une sorte de passage obligé dont vous ne devez faire l'impasse. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire, afin de bien ancrer cette connaissance fondamentale qui va vous ouvrir en grand les portes de l'harmonie.